des réunions, des forums, du tractage. La fédération du Parti Socialiste de la Sarthe s'implique pour Anne Hidalgo. Un comité de soutien vient de voir le jour pour assurer la campagne au niveau local de la candidate PS à l'élection présidentielle. Et pour tracer la feuille de route de ces actions, c'est la maire de La Flèche, Nadine Grelet-Certenay, qui a été désignée comme référente départementale. Il y a une candidate qui émerge, il y a une candidate qui est socialiste, qui a été élue. Il y a un programme, un projet, 70 propositions, il y a un travail qui a été fait, écrit, chiffré. Et donc ça veut dire que là, ça y est, on rentre dans le concret, on rentre dans le dur, et ça veut dire que c'est pas uniquement de je vais être candidate, c'est aussi le travail qui s'annonce derrière qui me paraît important, ce sera la base de notre campagne, puisque c'est bien sûr sur ces propositions qu'on va pouvoir enfin parler des valeurs de la gauche, parler d'autre chose que de la droite et de l'extrême droite, hein, et puis parler de ce qui nous rassemble justement pour toutes les populations qui sont en attente. On a au-delà des sympathisants, on a quand même une population qui est en attente de ce qu'est la gauche. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 10 avril prochain. D'ici là, Anne Hidalgo pourrait venir en Sarthe. Le comité de soutien travaille à sa venue avec la Fédération nationale du Parti socialiste. On a été quand même confronté au mépris.